Dans ce centre de l'établissement du sang français, une centaine de donneurs se déplacent chaque jour. Une petite heure sur place pour donner 500 ml de son sang. Ici, beaucoup viennent régulièrement et en cas de besoin supplémentaire de sang, ils sont même prévenus. Il y a pas mal de sensibilisation quand il y a des périodes de creux, qu'il y a plus besoin de sang que les autres fois. Donc j'essaie de venir à ces moments-là. Suite à l'accident d'un copain qui a manqué de sang, et voilà. Donc depuis, j'avais 18 ans quand j'ai commencé à donner pour la première fois. J'ai jamais arrêté. Les stocks sont déjà très bas, moins de 12 jours au niveau national. Certains groupes sanguins, eux, sont même en dessous, comme le O rhésus négatif, très utilisé aux urgences. Pour qu'il n'y ait pas de risque de manque, il faudrait au moins 14 jours de stock d'avance. La perspective de la fin d'année, avec bien sûr des 15 jours de vacances, de risque d'épidémie, de risque éventuellement de neige ou d'intempéries, font qu'à cette période, les dons sont plus limités. Et donc il est important que les donneurs se mobilisent dès aujourd'hui. Pour donner, il faut avoir entre 18 et 70 ans. Une mobilisation accrue est nécessaire. L'établissement français du sang estime que d'ici le 31 décembre, il faudrait atteindre 25 000 produits.